Ça fait 97 ans qu'une apocalypse nucléaire a tué tout le monde sur Terre. Prisonnier 319, face au mur. Prisonnier de l'Arche, on vous a offert une seconde chance. On ignore ce qui vous attend. Sors de l'eau ! The Hundred. Ma terrible colère se déchaîne. Que j'étais sur une piste en train de patiner et en train de danser. Et je me suis mise à sauter et aussi à tourner. Luna, c'était dans ton rêve ou t'as vu ça dans un film? Allô? On est arrivé à Cancun. Non, ce n'est qu'une escale pour signer les papiers de ma nouvelle propriété. Monica, ma femme, c'est la meilleure chef de tout Cancun, à votre service. Cette femme dispose d'un véritable talent pour la cuisine. Je la veux à Buenos Aires. T'as des choses prévues tout à l'heure? Tu peux me dire où est-ce que tu te trouves? C'est très important, Matteo. Je dois travailler. Et toi, tu dois voir ta copine. Alors à ta place, je ferai pas de proposition. Madame Benson veut qu'on vienne dans sa maison de Buenos Aires pour travailler. Quoi? Je veux partir d'ici pour rien au monde. Toute cette histoire est vraiment incroyable. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est également une opportunité. Je paierai les études de Luna dans la meilleure école de la ville. Le Blake South College. Tu es nerveuse, Luna? Ne t'inquiète pas. Salut. Salut. C'est la première fois que je te vois sur la piste. Ah. Oh, excuse-moi. Toi? Qu'est-ce que tu fais sur ma piste? Vas a despertar, vas a vivir, vas a demostrar que estás caliente. Todo lo que quieras lo podrás alcanzar. J'ai vécu caché de tous pendant près d'un siècle, à l'ombre des ténèbres, seul au monde, jusqu'à aujourd'hui. Je suis un vampire. Et voici mon histoire. Jusqu'à aujourd'hui. C'est risqué, je le sais, mais je n'ai pas eu le choix. Je dois savoir qui elle est. Je suis Elena. Moi, Stéphane. Je sais, oui. On a courte histoire. Il y a 15 mois, la voiture de mes parents est tombée d'un pont et elle a coulé dans le lac. Tu surmonteras cette douleur. Je vis avec mon oncle. Des frères ou des sœurs? Je les fréquente. Salut, petit frère. Elena. Parfait saisie de Catherine. Je t'ai promis l'éternité de malheur. Et je crois que je tiens ma parole. Alors un conseil. Touche pas, Elena. Elena, tu meurs d'envie de m'embrasser. Tu l'as en bouche? Moi, je l'ai. J'ai été clair, j'ai dit arrête! Et cool, là, ta grimace. Génial, c'est trop rigolo. Bien sûr, tout ça, c'est qu'un petit jeu. N'attends pas à devenir plus fort que moi. T'as perdu ce combat en arrêtant de te nourrir de sang humain. Alors n'essaie plus de te mesurer à moi. Catherine est morte, tu entends ?
Et si tu me hais aujourd'hui, c'est parce que tu l'aimais. Et si tu continues à me le faire payer, c'est parce que tu l'aimes toujours. Et ça, mon frère, c'est ta part d'humanité. Tu veux avoir ma part d'humanité? Regarde bien. Non! N'importe qui, n'importe quand, n'importe où. J'ai un trouble, Philippe. C'est-à-dire, précise? Ça ne fait que commencer. Vous êtes sûr? C'est vraiment utile? On a 5 morts vidés de leur sang. Alors oui, j'en suis sûr. Ils sont de retour. Got a secret, can you keep it? J'ai trouvé ça à mourir de rire. Ouais. Les amis partagent leurs secrets. C'est ce qui nous rapproche, non? Je crois que je l'ai entendu crier. T'as vu le journal de ce matin? Elle a disparu, mais elle est partout. All right. Qui se nous réunissent. Populaire dans la vie. Yeah. Et on dit que le nouveau prof est très sexy. Vren et moi, on s'installe ici pendant les travaux de mon appart, t'es au courant? Je m'appelle Vren. Je suis folle de ces lunettes. C'est combien? 350. C'est Anna. Oui, maintenant c'est elle, la star. Oh mon Dieu, je suis toujours là, pétasse. Et je connais tous vos secrets. Ah.